Yep. Yep. Merde, j'ai plus de batterie là, et mon chargeur il est où? Ah, ta guerre, elle dure encore un moment? Quelle guerre? Un monsieur a revendiqué le duché de Aragon. Ensuite, il veut se lancer dans la Reconquista. Encore? Chose à la fois. Le mec, il va pas arrêter de Même vous bannir y en les juifs et de les pensez. réinviter. Demain, j'ai pas pensé à réemprunter histoire de me faire 300 balles. J'avoue. On devrait toujours emprunter quand on est vassal, c'est vrai ça. Ah, tiens, Otto a conquis la Lotharingie. Un comté qui était au roi de France, ouais. Et maintenant, peut-être qu'il va pouvoir se concentrer sur les Vikings qui sont sur terre. Ah bah il les a chassés. Eh Oui, bien. parce que j'ai 3000 mecs pour lui donner un coup de main, sinon il le fait pas. Oh bah il manque plus que l'Italie, on a le Serg. Je peux devenir Comissus. Mais tu manques trop rapidement. Ouais, mais il manque encore 150. Ça fait quoi? Inviter un sens, c'est-il? Enseigne-le. Ah, tu es blessé, fais gaffe. Tu es vieux. Tant mieux. Ah, c'est dommage quoi, je vois que t'as encore fourberie et cynisme. Si tu te débarrasses de ces deux-là, tu peux devenir un saint. Putain, cette giga-révolte en Germanie. Hey yo! Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh. Ah, mais il a été tyrannique. Bon. Il y a littéralement tous ces vassaux qui se sont soulevés. Tous. Révolte allemande. Oh là. Le seul qui peut se soulever, c'est le duc de Carinthie, là. Otto le Boussé de Zermanie. Bon ben, il n'y aura pas de Serge, hein. Dommage. Qui survivra à ça? Oh, mon fils a encore pondu une fille. Mais elle a faiblesse. Bon, ça fera l'affaire. Mariage matrilinéaire. Là, on peut venir l'aider. Je vois pas Tu prendras pas l'intérêt. un biscuit, toi? Hein? Sky. Ouais? Tiens, T'es c'est un trop nouveau petit, je résident. mettrai pas un biscuit, histoire de m'aider. Ah, mais j'avais pas vu que le siège était fini. Mais t'as pas fini à Aragon, le siège. Ah ouais. Attends, Mais je je peux m'occupe pas, de j'ai la dernière. pas. Reste tué. Mais il y a déjà J'ai quelqu'un passé sur vous. trop. Ah, mais ses troupes, il lui On reste va que dalle. arriver. Mec, il se balade avec 300 hommes, n'aie pas peur. J'ai pas assez de troupes pour Aragon. Ah, ok. Quelqu'un a une idée de prénom pour ma fille? Elodie. Georgette. J'accepte Georgette. Clitorine. Georgette Clitorine avec un tiret. Vous voulez vraiment foutre en l'air son avenir? Et je suis toujours plus riche que vous. Ah non. Dit le mec qui appelle son fils déchet. Bon, alors, Georgette Clitorine, là, il faut arranger un mariage matrilinéaire. Enfin, des fiançailles déjà. Je peux la faire épouser un héritier de l'empereur de Tigre. Parfait. Ouais, mais elle est faible. Elle est faible, ta Georgette. Je sais. C'est triste. Le quartier militaire est terminé à Toulouse. Voulez-vous toujours pas vous révolter? Pendant ce temps, tu as Reginval qui fait sa vie tranquille. Acier, pas mal le nom de l'épée. Ah merde.
Ça fait des années que lui cherche un artefact, mon maître espion. Pas si il arrivera à le trouver un jour. Bien, vous allez rire, j'avais coupé le son. Ah ouais, je pense qu'on avait remarqué que t'étais plus là. Depuis tout à l'heure, j'ai pas entendu. Ah ouais. Ah bon? Il était encore mute. Ah mince. Oh bah j'accepte d'être au conseil si ça me permet de couper. Quelqu'un a déjà demandé quelque chose à l'empereur de Chine? Non. Pas encore, on n'a pas eu aucun... Il y a aucun contact. Ah, je peux lui envoyer un eunuque. Ouais, mais si je lui envoie lui, ça va être complètement stupide. Utilise-le bien, ton eunuque avant de lui envoyer. Non, mais... En attendant, ramène de l'argent, yeah! Ça marche. On voit la lumière d'ici? La lumière à quelle hauteur du sol? Ah, il est dans une autre guerre! Ça touche quand même. Ah, j'ai rejeté un œil tout à l'heure. Ruby et Kira, on va. Oui, ça. On ira voir ce soir. Tiens, je suis cynique maintenant. C'est marrant. Vous êtes encore là? Ah ouais. Oui, je suis cynique. Ça fait que ce sera encore plus facile pour nous de revendiquer la Bretagne. Oui, bah pour l'instant, moi je vais revendiquer autre chose. Juste à côté, t'as le duc de Paris. Oui, mais il peut pas te... Ou alors tu peux aller carrément chercher le royaume de Mumu là. Seulement, je pouvais envahir l'Angleterre. Même pas. Ah, je peux revendiquer le royaume de Mumu si je m'expatrie en Angleterre. Tu veux foutre avec le royaume de Mumu? Aller en en Irlande. Cassé, au revoir. Je vous abandonne. C'est sympa. Qui a dit ça? Après une... défection. Sois heureux, toi t'auras toute la place pour t'étendre après. Ah ouais, l'autre il avait pas vu l'autre côté, le bon côté de la pièce. Et voilà, je suis aussi un comissus maintenant. Le juste. Roi d'Italie, ok, il a fait une alliance avec lui. Penché sur la Bible. Il y a ma fille qui veut me rejoindre. Bon, soit elle va finir rusée, soit elle va finir stupide. Une chance sur deux, c'est parti. Oh bah elle aurait pu finir rusée, mais dommage, elle l'a pas eu. Elle est idolâtre, il va bien. Ouais, c'est bien. Sanguine. J'ai vu qu'il y avait Sanguine parmi les prénoms qui me sont proposés, je l'ai pris. Oh, j'ai reçu un os du doigt d'un saint. Refusé. Ah, j'ai toujours mon complot pour tuer le papyruso qui est en cours. Et c'est toi qui me l'as demandé? Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je l'annule ou bien? Ah, annule-le. Ah, merde, 20 000 à la frontière. Hop. Et voilà.
Je risque pas de perdre le Aragon après. Est-ce que il a en quoi le Aragon? Pardon. Il est aussi en monarchie élective, donc ouais, faut que tu veux, faut que les deux votent pour le même candidat. Non mais okay, vous avez activé les enclaves. Je crois qu'ils en, tu les as activés les enclaves, Greg? Oui. Ah bon bah maintenant il faut aller conquérir Barcelone. Ok. Alors le roi de Croatie est mort, vive le roi de Croatie. Ah, la Germanie, qu'est-ce qui s'est passé? Bah votre ami. Un nouveau roi. Et maintenant c'est une monarchie élective. Autocar, le Lubric de Germanie. Lubric. Oh, séducteur, luxure, paresse, hors diplomatie, ok. Bon bah pas de Serge. Triste. Il est où Otto d'ailleurs? Je sais pas, je vais vérifier. Il est déposé. Attendez, voyons voir. Alors Otto, il est... Je crois qu'il est devenu moine. Ah non, Otto il a été destitué. D'ailleurs il a toujours le modificateur expulser les juifs alors qu'il est plus seigneur. Ouais, bizarre. On devait le mettre en perso important. Ah, vu les revendications qu'il a, il y a moyen. Genre, tu l'invites chez toi, tu déclares la guerre à l'Italie pour le poser. Ouais, bah, je sais de me l'occuper. Il veut pas venir chez moi, j'ai déjà essayé. Ah, dommage. Je sais, mais... De toute façon, il va hériter de la Lotharingie, là. Vu que c'est le père de l'actuel roi. Actuel roi qui est d'ailleurs homosexuel. Ça pue pour la descendance. Putain, j'ai encore mes troupes qui traînent dans le Haut-Aragon, je les ai oubliées. Voilà, laissez-moi. Non, on ne te lâchera pas. Ah, et t'es devenu sociable, ça c'est bien. Grégoire qui a récupéré le PNJ avec le plus de revendications au monde. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Moi j'aime bien, c'est qu'effectivement t'es marié à un gars qui a revendication sur Royaume de France, revendication sur Royaume de Lotharingie. Il y a moyen. Oui, si j'avais un peu... Il y a moyen que je prenne le... Il y a moyen que je revendique la Germanie. Enfin, Regarde, j'ai déjà fait une faction pour que Charles Carling devienne roi de France une fois que vous êtes marié. Bah oui, dans une dizaine d'années. Oh ouais. Après, à voir combien t'es prêt à nous payer pour qu'on te suive. Bah pour l'instant, j'ai 200 pièces d'or. Je crois pas que ça soit assez. Je sais pas moi. Sinon, je peux déclarer la guerre à... pour revendiquer la Lotharingie. Enfin, pas totalement, je crois, si. Putain de déchet, il est devenu content en plus. Oh, ce perso. Stupide, idolâtre et content. Il rend fou. D'ailleurs, tiens, ce serait peut-être non, tiens, ce serait presque plus marre. En plus, il va me prendre un comté quand je vais mourir. Oh, c'est toujours mieux qu'il me vole qu'un duché. Ouais, j'ai gagné 50 pièces d'or. J'ai dit option réduire le son. Commandant Otto. Bon. C'est bizarre. Bizarre, les ivrés s'appellent Ivrea dans le jeu. Ah, bah deux Ivrea, c'est des Italiens. Pourquoi je peux pas les Ivrea, c'est des Français.
Ah, mais plus tard, ce seront des Italiens. Ensuite, des Espagnols. Ah, mais c'est déjà des Italiens à cette époque. Ma cinquième pénitence, yahoo! Ouais, ça s'accumule, ces trucs-là. Non, mais... bien, mais plus de quêtes, quoi. Non, mais t'es nul. En plus, c'est toi le raison, mais c'est pas vrai. Ah, vivement que j'ai 16 ans. Courage, dans un an, tu pourras casser des gueules. Ou ouais. De diplomatie. Ouais. Oui, je suis cynique, sociable. Je suis juste. Ah, yes, j'ai un cancer. Cynique et sociable. C'est un beau combo, ça. C'est vrai. Bon, ce petit... Ah yes, j'ai un cancer. Ah yes, j'ai un cancer. Pas mal. Ah. Attends, mais c'est pas gros. Ah, il a... Oula, il a pas réussi à venir ruser, lui. Mauvais traitement. Oh, bah... Au revoir. Il m'a deux. Ah, tu vas mourir. Moins 3 de santé. Moins 6 de santé. Yeah, au revoir. Ah, c'est lui en bas. Ah, cancer et mauvais traitement. Pourquoi ah, t'as un excellent traitement. Bon, j'ai quand même moins 4. Là. Non, il n'y a pas de maladie pourtant. Pourquoi tu dois me casser? Quelqu'un essaie de me tuer? Ah oui, quelqu'un essaie de me tuer. Et c'est le, c'est ce connard de roi de France. Oh, bordel. Ouais, il de ton... Vite, faut que je me débarrasse de lui. Comment ça fait? Eh ben, faction, on le dégage. Dépêchez-vous alors. On attend que tu es majeur. Oui, donnez-moi votre argent, bande de chiens. 13 mars 936. Bon, allez, on va aux vitesses maximales. Non. Ouais, faisons tout planter. Régis Vald est à la traîne. Papyruso est à la traîne. Je suis à la traîne. Oh bon, ça va, c'est reparti cette fois. Ouais, je suis mort. Ah. Pause, il est mort. Oh, bah, c'est parti pour le... J'ai 5 ans. C'est chelou, ce truc. Pourquoi c'est bon, j'ai tout pris. Je suis en monarchie élective. Hein? Je vais prendre devoir. Non, c'est bon, pas de problème. Ah, tu veux faire une éducation en intendance? Tiens, j'ai un tuteur pour toi. Il a 17 et il est parfait en attendant. Voir ça. Il est pas français, j'espère. Ah, tu peux refuser d'être de sa culture, hein. Pas faux. Donc, mais je crois qu'il est occitan comme moi. Ah, non, toi, c'est couronné, ce concombre. Donc maintenant, espérons juste qu'il ne te mette pas dans la merde. Bah pour l'instant ça va, je suis qu'à 34%. Et ne, s'il te plaît, Résivan, n'approuve pas le complot, sinon je te dépose totalement. J'ai rien approuvé, il m'a proposé deux fois mais j'ai pas approuvé. Moi j'aime bien les traits de Réginval. En fait c'est l'antéchrist. Résivan, colère, avarice, porte ambition, pourberie, partialité, cruauté. Personnage un peu spécial, ouais. Et tout ouais. Le coup qu'il a. Il est aussi chef des adeptes de Lucifer, évidemment. Ah, ceci explique cela. Ça explique beaucoup de choses. Bon, tu peux pas donner une maladie au roi de France. Mais ouais, j'ai déjà essayé. Et ça marche pas à tous les coups, il me semble. Ouais. J'en aurais besoin pour mon troisième. Oh, c'est bien gentil, ça. Oh, mince, faction dangereuse. Non, chez moi. Alors, les gens, oui, je pourrais faire un gros coup là. Vas-y. Je viens de me marier avec la fille du roi de Germanie. Attends. Du coup, à sa mort, je pourrais revendiquer la Germanie. Finalement, ouais. L'Allemagne, c'est bien. Une Allemagne basque qui est. Et d'ailleurs, c'est vraiment plus compliqué. Ah oui, elle est génie en plus.
Ah ouais, elle est génie, c'est vrai ça. Oui, mais c'est ça, moi c'est qui vais revendiquer la Armadie parce que le vrai roi des Armas, c'est moi qui l'ai. Toi, t'as les rois des Lotharins et des Français. D'ailleurs, hop hop hop, mets-le sur le trône. Et que t'es majeur. Et par contre, Papyrudo, prépare-toi parce qu'il y aura peut-être une faction qui va m'éclater dans la gueule. Je peux pas être commandant. Les armées sont prêtes. D'ailleurs, pourquoi je peux pas t'inviter à faire Ribot quand tu étais encore le vieux, là? Peut-être parce que j'étais en intérêt théologique. Ah, par exemple, là, je peux inviter... Ah, parfait. Givald à faire Ribot. Bon, bah, c'est pas possible. Je peux aussi inviter Pitra. Quel... C'est tout. Bon, bah, tant pis. Bon, Moi, je pouvais absolument pas. Bizarre. Ah, la faction, elle s'est dissoute, c'est bon. Bon, alors, voyons, ils peuvent pas faire la faction pour... Ah, si, je peux... Il y a beaucoup de troupes, le Germain. Bon, alors, on l'a fait la faction pour que mon futur conjoint soit le roi de France. Faut payer, frangin, faut payer. Mais en vrai, attends qu'il soit majeur, parce que s'il devient roi de France, il va briser les fiançailles matrilinéaires. Ah, oui. Si tu le fais tout de suite et que tu le mets sur le trône, il va dire « Merci de m'avoir été utile, maintenant dégage. » Ah, bon, voilà. Elle a tout pas là. Elle a coup d'asseoir qui t'aura baisé sans te laisser ton numéro. Bon, en attendant, on va s'amuser un peu. Ah, merci. Voyons, qui est un personnage qui est valable dans tout ça? Bah, c'est pour pas te déranger. Bon, Sky, paraît que dans ce cas, ça marchera pas. Pourquoi? Tu veux quoi? Bon, à ton avis. Ah, mais attends, je peux aussi inviter machin, là, comment ça s'appelle? Grégoire pour le truc là, la ribote. Qu'est-ce que tu fais avec ta ribote, toi? J'invite des gens. J'essaie d'avoir le très gamer, alors j'invite un maximum. Et tu n'inviterais pas la belle duchesse de Flandre et de Picardie? Si, je l'ai invité. Parçu. Ah bah alors t'as dû refuser manuellement. Je t'aurais invité. Attends. Pourquoi je peux pas... Tu peux pas venir? Ah, mais tu n'es pas disponible, t'es en guerre! Non. Attends, je monte, je mène plus. Voilà, je ne mène plus d'armée. Bon, je vous allez voir. À moi, il y a écrit que tu n'es pas disponible, alors je sais pas ce que tu fais. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a déclaré là? On peut demander une revendication pour la Picardie. On va bien se battre. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, je te donne une faveur. Non, mais je suis devenu lunette. Qui me doit une faveur? Ah oui, le mec de Bourgogne. Ah oui, l'empereur, il veut pas. Mais mon fils de l'empereur... Ah, mais j'ai encore cette faction à la con. Oula. Je vais prendre un amant. Un amant 6 doigts. Oh là 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 là. Je mets ma technologie. Donc, les terres à bâtard, ça va foutre en l'air toute ta succession. Bon, pour l'instant, j'ai vraiment besoin de gamin. Tiens, merci. Pourquoi tu me donnes de l'argent? Pour rien, j'ai besoin de toi pour un petit service. J'entends rien. J'ai besoin de toi pour un petit service. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Il va tous nous faire rentrer dans sa faction de force. Tu veux pas, toi, non plus. Ah, mais en fait, je te fais partie. C'est pas une faction. Hein. Ah, revendique. C'est quoi? Ok, moi, j'accepte. Oh, go, go. Ça va être rigolo. Ah, mais en fait, si t'avais ta faction, même si ta faction t'avait déclaré la guerre, on était même pas en alliance, là. Revendiquer le royaume de France. Alors forger une alliance avec Papyrus, ok. Essayer de me buter et puis tu veux que je t'aide à conquérir la France? Ouais, je veux bien. Ok, mais après vous m'aidez à conquérir la Lotharingie. Ça marche. Par contre, si tu déclares la guerre, tu vas foutre en l'air Maribot, tu peux au moins attendre qu'elle finisse. Mais non, mais là c'est juste le concours, c'est pas la faction. Hein. Ouais. Ah, je suis devenu ami avec toi, tiens. Je suis ami avec l'Antéchrist alors que j'ai des. Oh, je suis membre des Bénédictins.
Pas mal, pas mal, il y a concept. C'est sympa quand même, triste. Bon bah j'ai pas réussi à avoir le truc là pour avoir le trait gamer, c'est triste. Voilà, j'ai réussi, j'ai un amant. Il y a le roi de France qui me demande hey, aide-moi à tuer la duchesse de Bretagne. C'est magnifique. Moi je regarde que le roi d'Angleterre a finalement réussi à avoir deux gosses. Enfin. On va rigoler. Et bon, il va pas rester sur le trône très longtemps, le roi d'Angleterre. L'héritier du roi d'Angleterre vu qu'il a 0-1. C'est triste. Monsieur le duc de Bourgogne, est-ce que vous acceptez Oui, j'accepte quoi? Ben... J'écoute. Le truc pour devenir roi de France. Oh non, il est parti. Oh, c'est pas vrai. Au revoir. Le personnage me doit une faveur. C'est moi. Ok, donc arranger un mariage de force, ramène ton fils par ici. Quoi? Youpi, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu fais, Greg? Oh. Je suis tout heureux d'être enceinte, d'abattard. Enceinte de qui? Oh, mais il allait se faire des bâtards! Oui. Ça, t'imagines, si jamais le père légitime son enfant, bah l'héritier de Grégoire sera pas de sa dynastie et il va perdre. Bah, il est parti, l'héritier. Il est parti, l'avant. Mais mon fils, il va... Oh, combien de gosses comme ça? Je sais pas ce que tu fais, Greg, mais tu pars très très loin. Attendez, pause, j'ai 1000 trucs qui sont apparus en même temps. Alors, toi, tu vas t'appeler... Grégoire, même si t'es une fille. Grégoirine. Pas trop tard. Si tu m'aides dans mon complot, je donne 166,6 pièces. Grégorina. Tu vas le qui? Ah non, Bigra. Bigra, j'ai une proposition. 166. Oui, ça oui mais tu as quand même essayé de m'assassiner. Oui, mais 166, ça efface tout ça. Allez les enfants, salut, moi je vais aller me prosterner chez l'empereur. 1,6 en plus. Et si tu gardais l'argent mais que tu me donnais le verrement d'oie qui est de juré dans mes terres? En attendant, j'ai réussi à mettre... allez, ça le fait. Mais arrête. Bon, vas-y, va dans le complot et je te donne le verrement d'oie. Déclare pas la guerre tout de suite, s'il te plaît. Génial, j'ai une grossesse difficile. Actuellement, je ne suis pas là. Le physicien s'inquiète pour ma condition actuelle. Qu'est-ce que tu... Bon. Bon. Tigra, merde, plus piller la Bretagne. Plus piller le royaume d'Arles. Bon, je vais aller me promener. Bigra? Oh, Bigra est mort. Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué par l'Angleterre. Ah ouais. Non, on a... Invasion de Bretagne. Invasion de Bretagne. C'est pas perdre, Greg. Qu'est-ce qui se passe? Invasion de Bretagne. La Norvège envahit la Bretagne. Oh oh. Ah. Au secours. Bon bah... Ah mais non, ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Ça fait un an que ça dure, il est toujours pas venu. Oh oh. Ah, il a 8 hommes qui arrivent. 4000 par événement. J'ai 500 pièces, c'est 5000 pièces, 500 pièces d'or, ça devrait suffire. Voyons. T'inquiète, le roi de France, il a 12000 hommes et il a ramené le roi d'Italie avec lui. Ah le roi de Bourgogne. Bon, en attendant, j'espère. Ça devrait tenir. Ça devrait aller. Cette invasion de la Bourgogne. Alors qu'on était déjà en pleine guerre d'excommunication contre la Galice. Eh ouais. Allez, c'est parti. Go, go. Est-ce que je peux me faire tuer par un gosse? Pourquoi? Il y a un gosse qui veut te tuer? Bah, un grossesse difficile. Ah! Oui, oui, tu peux te faire tuer. Ça veut dire qu'automatiquement, ça serait le bébé qui hériterait et putain de merde. S'il se fait légitimer, ouais. Oui, s'il se fait légitimer, tu auras perdu. Si tu passes... En monarchie élective, en Tanistrie. Ça sert à rien, c'est le seul de sa dynastie. Bah justement, après, il pourra pondre des gosses.
Oui, je suis la marraine d'un bébé. Ça sert à rien du tout. Oh, je peux gagner une lance serpent en tuant une meuf au pif. Vas-y. Tiens, sinon j'ai une amulette dragon. C'est bien ou pas? Ah, c'est bien, c'est une très bonne. Bon, bah, j'ai une lance serpent, infanterie lourde, cavalerie, piqué, prestige, martial, compétence de combat. Yes. Ah, quand même, le partage salique, ça fout la merde quand tu vois déjà le début de carte en Europe. Et sinon, Reginwald, toujours ok pour me donner le verrement d'oie ou pas? Je sais pas, je pense. Allez, je suis dans les derniers mois. T'as que 9%, on est à 88% pour le complot, ça marchera pas. À 80%, ça ne suffit pas normalement? Ouais, mais il faut. Ah, il en faut plus de 5. Non, ah, mais bah, tu peux encore ramener quelqu'un d'autre. Alors, quelqu'un qui n'apprécie pas trop le roi de France. Tout le monde l'apprécie. Ah, je suis sûr que quelqu'un accepterait de rejoindre avec quelques piécettes. Même moi, j'aime bien les vieux, je vais voir le vieux. Ah, c'est la France qui a le duché de Poitou. La France, le roi. Truc. Sky. Bon, j'ai une bonne... Ouais, je vois ça. J'ai encore une fille, j'ai une fille. Non. T'es prêt? Non, je suis pas absolument pas prêt. Actuellement, je suis en périple pour aller en Chine, cher. Mais ton armée, est-ce qu'elle est prête? J'ai mis mes hommes qui sont levés. Ah, il y a une révolte. Qatar. Ah bah tiens. Chez notre ami Papyruso. Ça revendique le duché de Gascogne. Tiens, il y a des canards. Il peut survivre avec le duché d'Aragon. Bon, quelqu'un peut dire à ces abrutis d'Irlandais de me foutre la paix. Ils viennent te piller. Oh oh. Allez, je vais m'occuper de ma petite gamine. Mais bon, oui, bon, bon, un truc à la fois. Il a combien d'hommes le français? Parce que genre, je vois que... Alors, on a... Reginwald, voilà, il a 5000 hommes. On rajoute Bigra qui en a 2000. Moi j'en ai 3000. Peut-être si on rajoute... Bah non, on peut pas rajouter... On peut mettre une fille. Attends que l'invasion finisse. Ouais, on met... Ah, parce que sinon, le pauvre... En fait, c'est non, nous qui allons nous prendre l'invasion dans la gueule, vu qu'on aura... Voilà. On aura Grégoire avec nous. Alors, de toute façon, c'est au roi de France qui déclare la guerre, pas à moi. Donc, il se passe quoi s'il se perd? Si. Ah, si lui perd, tu perds tes terres. Ou alors tu deviens leur vassal. Ouais, ben, je vois. Même en payant 2000 mercenaires, je vois pas comment je peux m'en tirer. Ben, espère que les Italiens et les Bourguignons acceptent de bien aider le roi de France. Bon, il faut que je me fasse un ami. Bon. Dis, tu veux bien être mon ami? Tu veux pas m'aider? Bon, allez, je viens t'aider, Papyruso, là, parce que sinon, notre seigneur, là, il va rien foutre. Bon, sinon, dans déjà, tu sais même pas où sont ses armées, à lui. Ah, je suis à nouveau enceinte. Ouais, de moi. Ah, mais le con, il allait assiéger les païens. Il va perdre tous ses hommes. Greg, j'ai levé 5000 hommes pour t'aider. Rassemble tes troupes au miennes. D'accord. Greg, Greg. Oui, ça va, mais d'autant que cette crouve... On entend pas Greg, là, on parle. Oh, oh. Attendez. Oh, Papyruso, moi, j'y vais, allez, go. Oh, j'ai pas de temps à perdre. Ah, stop, annule. Wow. Un événement qui est apparu. Qu'est-ce que t'as fait? Ça a annulé le mouvement de mon armée. J'accepte son hospitalité. Allez, j'y vais, go. Ah bah, les Qatars. Ah bah, les Tatars. Bon, il y a une révolte navarraise. Oui, il y a une révolte. Thomas, c'est bien les Qatars. Mais non, le roi de Navarre, est-ce qu'on peut revendiquer le duché de Navarre? On peut techniquement. Ah, mais il a pas fondé, on peut que prendre le comté de Navarre.
Vas-y Greg, je suis à Anjou là, j'arrive. Oh là, il y a les armées bourguignonnes qui traversent la France, hop hop hop. Ouais, mais. Nos passeras, les Norvégiens. Greg, rejoins-moi vite. Bon, faut que je rejoigne ça. Oh oh, il va me tomber dessus, il va me tomber dessus. Au secours. Mais partez. Ah, mais je pense que c'est trop tard là, c'est trop tard. Mais Greg, non. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ça va, t'as sauvé la majorité de ton armée. Rejoins. Rejoins-moi. Faut que tu rejoignes Reginwald en Anjou. C'est pas par là, l'Anjou. Vas-y, t'es où alors? Mais regarde où sont les troupes de Reginwald. Alors, tu vois pas son drapeau sur la carte? Oui, un truc à la fois. Bon, Ok, la révolte Qatar est réglée. Merci bon, à moi et pour les autres de m'être occupé. Hein. Elles sont où les armées du roi de France? Elles sont en Norvège, prendre de l'attrition. Putain. Voilà pourquoi je vous dis, il faut mettre l'un d'entre nous, roi de France. Donc on va accepter de mettre Reginwald, ça va bien se passer. Sinon c'est moi qui serai la reine de France. Si j'ai le verre mordois, je veux bien. Déjà il faudrait, ah, que, filera, faudrait que Greg me rejoigne. Il aura tout en vassal. Rejoins-moi, on joue. Et vous avez vu, moi, je propose, dès que tu es roi de France, hop hop hop, déclaration de guerre sainte aux Omeyyades. Bon, sinon, il faut que j'aille écouter, on fait une pause. Ouais. Oui, vous, ça vous dit? Ok. Donc dès qu'on revient, ça va être zbeul pas possible. Jusqu'à quand? On dit quoi, 10 minutes, un quart d'heure de pause? Ouais, ouais, ça m'a l'air bien, 10 minutes. Ok, ça marche. Allez. On se revoit à 17h15. Ouais, à 18h, c'est mon épisode de Viking. Ah mais monsieur, faut faire des sacrifices dans la vie. C'est comme pour la PS5 que tu veux, tu l'as pas, ton épisode de Viking, tu l'auras pas. Oui, de toute façon, faut que je fasse pause. Arrêtez la route, il se rebat. Allez.